et messieurs, bonjour. Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Paul Créatrice Info Télévision. Bonjour Victoire. Bonjour Massis. C'est quoi l'actualité? C'est les préparatifs du 10e anniversaire de Paul Créatrice Info TV ce 23 juillet au Love du 25 juillet. Et s'il te plaît, le panier est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, aux couleurs du logo de Paul Créatrice Info TV. Et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien? 5 000 seulement. Mingui, 5 000 seulement? Pardon, je peux acheter ma paro. Shalom to all viewers of Power Creatrice Info. We thank God for a new day. We thank God for another portion of His Word that we are going to follow and to listen today. We all welcome you to the English broadcast program entitled Vision for Lost Souls. In order to start, God created the heaven and the earth. He created the Garden of Eden in which man was living peacefully and had a perfect communion with God, had a perfect fellowship with God. But one day, a stranger came in called the devil, and he set everything apart. And from that time, God started searching man. Since the Garden of Eden, Adam, where are you? It's the same voice up to today that is crying in the world seeking for lost souls. And what was the purpose? Is to bring man back to his original position, where man had a perfect fellowship with his God, where man could live in the garden with animals without being hurt. And it has been of good pleasure to God because of that state to send his messengers to always pull his people back to him in order to fellowship with his children. And today once more is going to be a special program, because not only that you're going to listen, but you're going to watch a wonderful video. And in this program, we are going to listen to a special man of God, the prophet of the age, who came under the prophecy of Malachi chapter 4 verse 5. Behold, I will send you Elijah the prophet. To do what? To bring back the heart of the children to the word of God. And we are happy, and we are happy that today the voice of God is recorded. And God has shown through this man called William Marion Branham how humanity and divinity can come together, and God is able to prove to humanity that is the same yesterday, today and forever. And you're going to watch this video entitled The Deep Calleth to the Deep. And you're going to see how God wants to show us if a man could just be humble and allow God to use him, what God is able to do in his life. You see how God, in simplicity, is able to operate great things. You have been hearing, but today, not only that you hear, but you're going to see, you're going to watch this tape, this video, entitled, The Deep Calleth to the Deep. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui conduisit Siméon ce matin-là vers le Christ vous a conduit ici ce soir. Il a la même obligation envers vous qu'envers Siméon, parce qu'il est Dieu et doit tenir sa parole. Je peux voir Siméon. Il désirait voir le Christ. Peu importe ce que les critiques disaient, il croyait ce que la parole de Dieu lui avait dit. Croyez-vous en la guérison divine? La raison même qui vous fait croire en la guérison divine prouve qu'il y a une guérison divine. Lorsque nous sommes arrivés en Amérique, nous avons trouvé l'Indien d'Amérique. Il adorait le soleil, la lune, la nature, parce qu'il savait qu'il avait un créateur. Et il y avait quelque chose dans son cœur qui l'appelait à l'adoration.
C'est ainsi pour chaque mortel. Vous allez peut-être adorer votre automobile, votre travail, votre maison ou autre chose. S'il y a une idole quelque part, enlevez-la et laissez Jésus-Christ avoir la première place. Alors, cette faim profonde, comme le disait David, quand la profondeur appelle la profondeur à la voix de tes cataractes. S'il y a une profondeur ici, à l'intérieur, qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Je suis un amoureux de la nature. En allant dans les bois, j'observe les couchers de soleil. J'entends le cri des animaux sauvages. Ma mère est à demi indienne. Il y a quelque chose dans mon sang qui fait que j'aime la nature. Quand j'entends l'appel de la nature, quelque chose embrase mon âme. Récemment, je me trouvais sur une montagne dans le Colorado et j'observais une vieille maman aigle, comment du nid elle a transporté ses petits et les a déposés dans le pâturage. Puis elle s'est envolée vers le pic rocheux le plus élevé. Je la regardais avec mes jumelles. Mon cheval était attaché à un arbre. Les aigles font leur nid avec des bouts de bois pointus, et ces aiglons ne connaissaient rien d'autre. Mais un jour, leur mère a étendu ses ailes, ils ont grimpé dessus et sont descendus. Ces petits êtres étaient en train d'avoir un réveil pentecôtiste. Ils couraient de ci, de là, sur cette herbe douce, picotant ici, gazouillant là, sautillant, libres comme tout. J'ai pensé, c'est juste. C'est comme un homme dans le vieux nid du monde. Il ne sait rien d'autre que ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu le prend et le dépose à l'ombre, dans un vert pâturage. Il est dans la joie, il est libre. J'ai pensé, pourquoi ces petits êtres n'ont-ils pas peur? Il y a des coyotes dans les environs. Mais de temps en temps, ils regardaient en haut, leur vieille maman les surveillait. J'ai pensé, que Dieu soit loué. Il m'a sorti du nid du monde. Il a escaladé les remparts de la gloire, s'est assis sur la hauteur, surveillant son héritage. Pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive, j'ai pensé que si un coyote venait à se diriger vers l'un de ses aiglons, elle le tuerait. Si Satan s'en prend un croyant, il se retrouve avec Jésus-Christ sur les bras. Elle s'était perchée sur le plus haut rocher qu'elle ait trouvé. Sa belle tête majestueuse regardant tout autour, ses yeux d'aigle perçant lui permettaient de voir partout. Au bout d'un moment, à travers mes jumelles, je l'ai vue lever la tête et humer l'air. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Très loin au nord, le tonnerre grondait. Elle a poussé un cri et s'était lancée dans le vide. Elle a projeté ses ailes en avant et s'est posée dans la prairie. Alors, tous ces aiglons courus vers elle, ils se sont accrochés dans ses plumes avec leurs griffes et leurs becs, et elle s'est envolée avec les petits aigles sur ses ailes, fonçant droit dans ce vent qui soufflait à environ 80 km à l'heure, pour aller se poser dans une fissure de rocher. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pensé, un jour, quand ceci sera terminé, il viendra de la gloire et tendra ses grandes ailes puissantes, et les petits aigles s'y accrocheront et s'envoleront dans la gloire avec lui. Si la profondeur appelle, il y a une profondeur pour répondre. Avant qu'il y ait un arbre sur la terre, il devait y avoir une terre où il puisse pousser. Dieu n'a jamais fait l'arbre pour la terre, il a fait la terre pour l'arbre. La terre a réclamé jusqu'à ce que l'arbre sorte.
Avant qu'il y ait eu nageoire sur le dos d'un poisson, il y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager. La raison pour laquelle il a reçu une nageoire est qu'il y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager. Tout ce que nous avons existe pour un but et une raison. J'ai lu qu'un petit garçon avait mangé des gommes de crayon, une pédale de bicyclette et tout le caoutchouc qu'il pouvait trouver. On l'a emmené chez un docteur pour des examens et on a découvert que son corps avait besoin de soufre. Or, le caoutchouc contient du soufre. Il mangeait donc du caoutchouc pour avoir du soufre. S'il y avait quelque chose ici qui réclamait du soufre, il devait y avoir du soufre pour y répondre. La profondeur appelle la profondeur. Avant qu'il puisse y avoir une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Il y a quelques années, vous étiez peut-être dans une église formaliste qui ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Mais il y avait quelque chose là-dedans qui réclamait davantage de Dieu. Vous viviez d'une manière correcte, mais vous aspiriez au baptême de l'Esprit. La raison pour laquelle il y a un Saint-Esprit, c'est que vous le désiriez ardemment. Vous ne l'auriez jamais désiré s'il y avait eu ici à l'intérieur quelque chose qui le réclamait là-bas. La raison de votre présence ici ce soir, c'est que vous croyez en la guérison divine, même si ce n'était pas enseigné dans la Bible. Le fait que vous croyez en la guérison divine ferait qu'il devrait y avoir une source ouverte quelque part. La profondeur appelle la profondeur. Siméon savait qu'un Christ allait venir et que Dieu lui avait promis qu'il le verrait avant de mourir. Juste au moment où Jésus est entré en scène, Siméon a été conduit par le Saint-Esprit qui lui avait donné la promesse directement à Christ. Le Saint-Esprit qui a donné la promesse de la guérison divine vous a conduit ici ce soir directement à la source ouverte pour quiconque le veut. Chacun de vous, fils et filles de Dieu, est conduit ici parce que vous croyez la promesse de Dieu. Tout là-bas, dans le coin, se trouvait une vieille femme aveugle. Elle s'appelait Anne. Elle était prophétesse et attendait la venue du Seigneur. Dieu a été obligé de lui montrer le Christ. Cette vieille prophétesse aveugle s'est avancée dans ce bâtiment ce matin-là, conduite par le Saint-Esprit. Dépassant cette lignée de femmes, elle s'est arrêtée juste devant la source, car elle était conduite par le Saint-Esprit. Il est ici ce soir, ressuscité des morts. Il vous a donné la promesse. Si le Saint-Esprit ne vous avait pas amené ici, vous seriez dehors quelque part dans le monde. Mais vous êtes assis dans ce bâtiment surchauffé et vous vous éventez parce que vous vous attendez à voir Jésus-Christ venir confirmer sa parole. Si vous venez avec l'idée de trouver quelque chose à critiquer, le diable vous le montrera et plus encore. Vous obtenez ce que vous attendez. Certains disent, si je vois quelque chose comme ceci, alors je croirai. Vous obtenez ce que vous attendez. Je m'attends à voir le Saint-Esprit venir se manifester lui-même en puissance. Beaucoup recevoir le baptême du Saint-Esprit, les pécheurs venir en pleurant au calvaire, les malades être guéris, toutes sortes de signes et prodiges, parce que Jésus-Christ l'a promis. Et je crois sa promesse. Prions. Père Céleste, confirme ta parole avec les signes et prodiges de Jésus ressuscité. Nous savons que lorsqu'il était sur terre, il prétendait seulement que tu lui montrais des visions. Il connaissait les pensées des gens, leurs conditions.
Il a su qu'une femme ayant une perte de sang avait touché son vêtement. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Père, nous savons qu'il est ici ce soir parce qu'il l'a promis. Notre confiance est placée en lui et dans sa parole. Nous l'avons vu dans la manifestation de sa résurrection au milieu de son peuple. Seigneur, laisse-nous être les lumières de cet âge. Au bout de la route, quand chacun de nous viendra devant toi, que le grand écran sera déployé et que nos vies seront ramenées devant nous, laisse-moi entendre ma voix crier contre l'iniquité et appeler les gens à croire en Jésus. Bénis les gens ici ce soir qui supportent cette grosse chaleur. Bénis-les spécialement. Seigneur, sanctifie maintenant ton serviteur pour le service à venir, réalisant que les yeux regarderont dans cette direction. Je te prie de faire connaître ta grande et glorieuse puissance à chacun. Puisses-tu prendre cette indigne personne, faire sortir le moi et entrer, Seigneur Jésus, et parler à ton peuple. Quand la vie s'arrêtera sur terre, que la dernière prière aura été faite, les batailles terminées, la fumée dissipée, les armes déposées, les Bibles fermées, et que nous monterons dans ta maison à l'aube d'un grand matin, éternel, lumineux et beau. Quand les élus se rassembleront dans leur demeure au-delà des cieux, comme l'a dit le poète. Seigneur, lorsque nous verrons cette table du souper, longue de milliers de kilomètres, et que ces vétérans couverts de cicatrices se regarderont par-dessus la table, des larmes de joie coulant sur nos joues, le roi s'avancera dans sa beauté et sa sainteté, et passant le long de la table, il essuiera les larmes en disant, « Ne pleurez plus, tout est terminé, entrez dans la joie du Seigneur. » Les peines de la route sembleront sans importance lorsque nous arriverons au bout du chemin. Aide-nous ce soir, Seigneur, à oublier les choses du passé. Courons vers le but de la vocation céleste. Que ton esprit vienne et manifeste Jésus-Christ aux gens. J'essayais de leur dire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi de me conduire comme un enfant, mais quelque chose touche mon cœur quand je parle de lui. J'ai eu des visions depuis que j'étais tout petit. Des serviteurs m'ont dit, ne pars surtout pas là-dedans, c'est le diable. J'ai cru en partie que les visions étaient fausses. Alors, cette nuit-là, il est venu vers moi et m'a dit qui il était. Je sais qu'il est ici maintenant. Je connais sa présence. Je sais que je l'aime. J'ai pensé, comment puis-je être un démon et aimer le Seigneur Jésus? Et il est venu et m'a dit autre chose. Je le crois lui parce que cela correspond à la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas pour leur parole. Maintenant, lorsque cela me frappe, je deviens si faible que j'ai de la peine à rester debout après avoir rencontré une ou deux personnes. But I get so weak that I can't hardly stand after maybe one or two people.
Lisez l'Écriture. Le prophète Daniel eut une vision et fut troublé dans sa tête bien des jours. Une fois, lorsqu'une femme a eu suffisamment de foi pour pousser Jésus à se retourner, il a dit, « Une vertu, une force est sortie de moi. » Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme, le premier des pécheurs, né hors de saison pour vous, gens du plein évangile. Par la grâce de Dieu, il me laisse vous appeler mes frères et sœurs. Je ne suis pas ici pour être vu ou entendu. Je ne suis pas ici pour une raison financière. Je suis ici parce que j'aime Jésus et que je vous aime. Je crois, en venant ici, que si je pouvais me soumettre à lui et qu'il fasse quelque chose à travers moi, vous l'aimeriez davantage, vous croiriez en lui et seriez guéri. Dieu vous bénisse, vous pasteurs et hommes d'affaires. Je veux vous dire au revoir avant de devenir faible. Parfois, je n'arrive pas à quitter l'estrade. Mon garçon et l'organisateur surveillent cela. Si je ne vous rencontre plus jamais de ce côté-ci de la rivière, je vous verrai au matin. Avec ce même témoignage, j'aime le Seigneur Jésus. Dieu me donne des visions, c'est vrai. Dieu est mon témoin. Je peux seulement dire ce qu'il me fait dire par sa grâce. Priez pour moi. Je demande encore une chose. Je vais aller en Afrique, en Inde, en Palestine, en Allemagne. Dans ces pays, les sorciers guérisseurs et les gens possédés d'un démon vous défient et vous avez avantage à savoir de quoi vous parlez. Quand les vents chauds et violents souffleront, qu'il y aura la persécution, je me souviendrai que quelqu'un à Washington DC prie pour moi. Vous me le promettrez? Hier soir, on a distribué 100 cartes de prière. La lettre était Y. J'ai appelé les 15 premières hier soir. C'est bien cela? Nous allons en appeler d'autres. Peut-être que si la foi est élevée, nous pouvons en prendre deux ou trois groupes. Combien ici n'ont pas de carte de prière et veulent être guéris par Dieu ce soir? Levez la main. Il se peut que ce soit la première fois que je vous rencontre. C'est bien dommage que nous ne puissions rester plus longtemps afin que vous puissiez savoir comment accepter la guérison divine. Une grosseur est un démon. Chaque maladie est du diable. Dieu ne met pas la maladie sur ses enfants. C'est le diable qui le fait. Vous dites, mais le diable guérit aussi. Jésus a dit que non. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Dieu seul peut guérir. La médecine et les docteurs ne prétendent pas guérir. Les frères Maillot sont parmi les meilleurs. Ils disent, nous ne guérissons pas, nous ne faisons qu'assister la nature. Il n'y a qu'un seul guérisseur, Dieu. On peut recoudre votre main, mais on ne peut pas la guérir. Un dentiste peut arracher une dent, mais qui va guérir l'endroit? Un docteur peut enlever un appendice, mais qui va guérir la place? Dieu. La médecine ne fabrique pas des tissus, elle n'est qu'une aide. Un docteur peut remettre votre bras en place comme il l'a appris, mais il laisse Dieu le guérir. Toute guérison est de Dieu. Quand la vie du démon sort de ses grosseurs, les grosseurs meurent. Si la vie sortait de vous, vous mourriez. Mais votre corps est toujours là.
N'importe quel corps se rétracte quand la vie est partie. Certains de vous, chasseurs ou bouchers ici, vous tuez un animal et vous le pesez. Le lendemain matin, vous le pesez à nouveau. Voyez alors combien il est plus léger. Puis laissez-le reposer 2 ou 3 jours et regardez combien il est plus lourd. Quand une grosseur meurt, le démon, lequel est une vie, sort de la tumeur, du cancer, de la cataracte. Chaque personne ici provient d'un germe et a développé des cellules. Ces cellules suivent la nature de la vie qui est en elles, formant ainsi l'homme. La cellule qui vient du chien fait un chien, de l'oiseau un oiseau. Le démon vient sous la forme d'une grosseur, mais pas obligatoirement, et commence à développer des cellules. Le cancer fabrique des cellules et grandit. Il a une vie. C'est pareil à vous qui viviez et vous développiez dans le ventre de votre mère. Mais cette vie-là n'est pas votre vie, c'est une vie différente. Vous avez la vie pour vivre. Ça, c'est une vie de mort. Elle n'a rien à faire en vous. Qui l'a mise là? Le diable. Le cancer, la tumeur viennent d'un germe. Vous aussi, vous venez d'un germe. La personne qui a la cataracte, quand l'esprit s'en va, elle dit « Je peux voir ». Le lendemain, elle voit encore mieux. Mais après environ 72 heures, la corruption s'y installe. Pour Jésus, les cellules ne se sont pas corrompues. Il est mort le vendredi après-midi et ressuscité le dimanche matin. David avait dit « Je ne laisserai pas son âme au séjour des morts, ni ne permettrai à mon sein de voir la corruption. » Ces cellules commencent à se diviser après 72 heures. Quand cela commence à enfler, la tumeur grossit et votre cœur doit purifier le flux de sang. Une dame est venue vers moi hier soir avec un gros cancer. Il était dans ses cheveux et recouvrait le dessus de sa tête. Je lui ai dit dans l'esprit qu'elle avait un cancer dans la tête et qu'il allait se détacher. Il s'est détaché et l'a ici dans un flacon d'alcool. Cette femme est-elle dans le bâtiment? Pourrait-elle se lever? Oui, voilà la dame debout là, avec le cancer dans l'alcool. Je les ai vus devenir blancs et tomber directement sur l'estrade. C'est un miracle. Généralement, lorsque la grosseur est morte, la vie sort d'elle. Si la grosseur se trouve à l'intérieur, elle ne peut pas se détacher. Elle va rester là pendant quelques jours et commencer à enfler. Alors les cellules vont se décomposer et vous deviendrez très malade, avec de la fièvre. C'est une sorte d'infection. Le cœur pompe le sang et purifie le corps. Il y a un morceau de chair détaché dans votre corps et vous devenez sérieusement malade. Les gens disent « Je me suis senti si bien sur l'estrade, et encore pendant un jour ou deux, mais je pense avoir perdu ma guérison. » Allons donc, c'est le meilleur signe au monde que vous avez reçu votre guérison. Si vous commencez à douter, aussi certainement que la foi lui en a ôté la vie, l'incrédulité la ramènera. Jésus a dit « Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche dans des endroits déserts, puis il revient avec 7 autres esprits. » Laissez donc l'homme bon de la maison, la foi, être là. Peu importe comment vous vous sentez, ce n'est pas ce que vous sentez, c'est ce que vous croyez. Jésus n'a pas dit « L'avez-vous senti, mais l'avez-vous cru ?» Je crois que 100 cartes de prière ont été distribuées hier soir avec la lettre Y. Prenons les 15 dernières ce soir. Qui a la carte de prière 85? Voulez-vous lever la main? Qui a la carte de prière 86? Puis-je voir quelqu'un avec la carte de prière 87? Would you stand up? 87 is what?
Peut-être quelqu'un ne peut pas se lever, il est sur un brancard. Peut-être sont-ils sourds. Je le retrouve à mon bureau. Ils disent, eh bien, je m'y trouvais et vous avez dit de là à là et personne ne m'a aidé. Ou peut-être était-il sourd. 87, regardez la carte de votre voisin. Il est peut-être sourd et ne peut entendre. Qui a la 88? Est-elle dans le bâtiment? Carte de prière 89? D'accord. 90? Crois seulement. Maintenant, peu importe ce qu'il dit de faire, faites-le. Faites simplement ce qu'il dit. Je suis votre frère et ne suis qu'un homme. S'il veut bien venir prendre cette pauvre carcasse et laisser son Saint-Esprit agir à travers elle, alors vous verrez Jésus-Christ se manifester dans cet auditoire. Peu importe à quel point il confirme sa présence ici, si vous ne me croyez pas, il ne peut rien faire pour vous. S'il se tenait ici à mon côté pour que vous puissiez le voir, si vous ne me croyez pas, je ne pourrais rien faire pour vous. Mes paroles seront simplement ce qu'il a dit dans l'Écriture et je prierai que Dieu vous aide. Il y aura ici des mères et des pères qui sont malades et ont des besoins. Et je demanderai à Dieu de vous aider. Formez la ligne par ici, sur la droite. Maintenant, inclinons la tête. Père bienveillant, nous te prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne et manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Bénis ces gens, rétablis-les, qu'ils soient en santé et heureux. Père, tu connais la faiblesse de ton serviteur. Je ne sais pas que dire ou que faire. J'ai fait ceci sur ton ordre. Et je crois que tu seras ici pour bénir et aider ces gens. Père, si tu laisses le Saint-Esprit nous révéler ces choses, ce que nous devrions faire et comment le faire, nous serons alors heureux et dans la joie. Et cet auditoire croira en toi. Ne laisse pas une seule personne faible quitter ce bâtiment ce soir. Qu'ils repartent en étant bien, en santé et réjouis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. How wonderful, how awesome, oh, to have such a humble man that God was able to use in the 20th century in the name of William Marion Branham. In fact, God through him wanted to show us how much he's able to build up a smooth and relationship with God. The deep call it to the deep. If you are a sinner, then there's a God to save you. If you are sick, then there is a God who heals you. After you have watched this video, surely you might want to watch again because it's just a fragment of the video itself. In the next part of the video is actually going to be the prayer line. God will prove himself again. No matter the situation you have, you still have hope. You are not hopeless because our God is still on the throne. His kingdom is still real. In the next program, no matter what you have, just have faith and only believe. Only believe. Because you will see the next fragment of this video on how God operated miracles. It is an opportunity God gives to you. Dear viewers, hope having you next time. Watch this next fragment on the prayer line. Next time when you are coming, come in the spirit of prayers. No matter your condition, rally your children, rally your family, and follow this tip. Only believe and tell God if the same God that William Branham was preaching on that day is the same yesterday, today, and forever.
then this is an opportunity for you. We are glad to have as a cameraman Boaz Urich, and we thank equally our pastor Apostle Lambert Robinson, often known as the international striker. I am Simon Pierre Ambassa. Shalom till we meet for the next broadcast program. Have a wonderful day. Shalom. God bless you. After its 9th anniversary celebrated last year, Parole Créatrice Info Télévision feels delighted to count you amongst its invitees. On the 23rd of July 2022, in the occasion of the celebration of its 10th anniversary that will take place, God willing, at Loved Ones Sanctuary, let's come together to thank the Lord for His great works. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.